Chers Congolais, chers compatriotes, l'année 2023 est terminée. Elle devient le passé. L'année 2024, qui s'ouvre, va nous conduire vers l'avenir. Avec la cohorte habituelle de résolution, d'engagement et de projection. Parce que le Mouvement pour Agir, le MPA, sera à vos côtés pour vous accompagner. Vous accompagner dans vos attentes. Permettez-moi, au nom de son président, le général Jean-Marie Michel Mokoko, de vous souhaiter nos voeux de santé et de réussite. Que cette année 2024 soit celle de la nation réconciliée et du Congo retrouvé autour des actes forts tels que la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko ainsi que tous les autres prisonniers politiques. L'histoire est le témoin incontestable qui révèle par l'empreinte les marques de nos actions, leur grandeur ou leur vacuité. Elle nous astreint dès lors à l'obligation d'inventaire, au devoir de bilan, à l'impérieuse nécessité de nous arrêter. Le temps d'apprécier le travail fait pour mieux envisager ce qu'il nous reste à accomplir. Ce début d'année 2024 doit être l'occasion pour chacun d'entre nous, au-delà de nos appartenances et divergences politiques, de confronter à la réalité les promesses et les engagements pris lors des derniers vœux émis par le chef de l'État PCT qui préside aux destinées de notre pays. Force est de constater, hélas, comme toutes ces années passées, l'année 2023 n'aura pas été celle des changements espérés et n'aura pas vu se réaliser ne fût-ce qu'un seul des vœux émis en début d'année par le chef de l'État PCT, M. Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, Congolaises, Congolais, le Mouvement pour Agir se fait le devoir de faire pour vous le rappel de ce que le pouvoir PCT émettait comme vœu il y a encore un an, et de renvoyer au chef de l'État PCT les promesses faites, les engagements pris non tenus, et ainsi vous permettre de réaliser la vacuité de ces vœux 2024 devenus comme vœux pieux pour endormir sinon distraire le peuple en souffrance. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, au vu du bilan 2023, de la politique conduite par Denis Sassou Nguesso et ses collaborateurs, tout citoyen congolais peut faire sa propre analyse et constater une fois de plus que c'est de la poudre aux yeux. Il nous avait vendu du vent, nous récoltons aujourd'hui la tempête. C'est un échec patent dans tous les domaines de la société. Dans son exercice rituel de vœux 2023, le chef de l'État PCT, M. Denis Sassou Nguesso, s'engageait en ces termes par une litanie de mots choisis, à savoir, sur le plan économique, malgré les bons résultats économiques obtenus en 2022, les opérations de l'État se sont soldées pourtant par un excédent budgétaire de 6,5% du PIB contre 1,5% en 2021. Ces résultats tirés en majorité par les recettes pétrolières et une meilleure mobilisation de recettes non pétrolières, l'amélioration des recettes d'exportation et la bonne tenue des cours d'échange du franc CFA au dollar se sont traduites par un solde courant extérieur excédentaire de 19,2% du PIB contre 11,9%
en 2021. Quels ont été les projets réalisés par ce gouvernement? À un peu moins de 2 ans de la fin du plan national de développement 2022-2026, quel bilan en tirer? Rien. Un aveu d'échec malgré les slogans. A contrario, sinon pire, le gouvernement et l'appareil PCT ont procédé à des concessions inexpliquées à un pays tiers, le Rwanda, d'importantes surfaces agricoles cultivables, arrachées à des nationaux, sans contrepartie connue, avec des procédés qui empruntent davantage aux pratiques mafieuses qu'à un État dit de droit. Sur le plan sanitaire, au vœu de santé émis par le chef d'État PCT, l'année 2023 aura laissé le souvenir d'un goût amer de cette triple crise sanitaire, paludisme, typhoïde et sigellose, qui a frappé la ville de Dolisy et ses environs, en sacrifiant sur l'autel de l'incurie du gouvernement plusieurs dizaines de vies de nos concitoyens. En matière de santé, selon le plan stratégique national de prévention du VIH chez les adolescents et jeunes 2020-2024, près de 30% de nouvelles infections au VIH se retrouvent chez les jeunes entre 15 et 24 ans. C'est une grande catastrophe. Sur le plan social, le Congo a une population très jeune et souffre de la fracture sociale. Elle est victime de l'insécurité et de l'exclusion. Elle est paupérisée. Cette population fait face à des normes de vie. Entre autres, en matière de santé, eau, hygiène et assainissement, l'éducation scolaire et la protection sociale à l'enfant. Hausse des prix, confiscation du pouvoir, pauvreté, le règne du PCT sans partage depuis 42 ans. Les propositions du général Denis Sassou Nguesso, toujours en décalage avec la société, le chef de l'État PCT proposait pourtant à la nation l'engagement ferme de construire une usine de fabrication d'engrais et de fertilisants en s'appuyant sur les gisements de phosphate, de potasse et de gaz disponibles dans un rayon de 50 km du port en eau profonde de Pointe-à-Noire, favorisant ainsi la création d'emplois susceptibles de résorber le chômage endémique des jeunes. Qu'en est-il de ce projet? Rien. Des chimères restées au niveau des simples incantations. Au contraire, l'année 2023 se sera achevée sur le drame effroyable d'Ornano, de ces jeunes gens manipulés, désœuvrés, sans perspective, morts piétinés sous les bottes de la désinvolture du pouvoir. Ce drame résume à lui tout seul l'effondrement d'un système de l'État PCT. À la mort sociale, à laquelle la gestion calamiteuse du pouvoir avait déjà condamné tous les citoyens, s'est substituée la mort tout court de nos jeunes Congolais. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, on pourrait ainsi égrener sans fin les engagements restés lettre morte du système PCT et son gouvernement. Du reste, il en est de même du message des vœux 2024 à la nation congolaise, où aux incantations habituelles s'est rajouté l'outrecuidance rédhibitoire de ce régime devant les cris de désespoir d'une jeunesse
à qui 14 000 milliards réservés aux générations futures sont portés disparus des comptes publics de l'État. Par ailleurs, le peuple congolais constate avec amertume que l'État PCT vole au secours d'une société de transport aérien, Corsair, en déconfiture. Pendant que le peuple congolais, notamment sa jeunesse, est sacrifié, croupissant dans une misère indescriptible. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, au regard de ce qui précède, quelle crédibilité peut-on encore accorder à la parole du chef d'État PCT après 42 ans de règles sans partage et sans résultat probant? Fidèle aux idéaux de son leader, Jean-Marie Michel Mokoko, le Mouvement pour Agir voudrait vous adresser, malgré tout, un message d'espoir pour un triple objectif. Apaiser. Parce que nous croyons en la force des esprits et des principes, plus qu'à la force tout court. À votre génie, dès que l'État se mettra à votre service. Rassurez. Parce que nous pensons que la sérénité doit dominer l'alternance politique. Et ainsi, permettre d'asseoir une nouvelle république qui se mettra définitivement et exclusivement au service du peuple. Rassembler la nation. Telle est la mission à nous confier par notre leader. Rassembler autour de notre devise. Unité, travail, progrès. De grands idéaux universalistes de notre conviction d'appartenir à une même nation. Ce triptyque vise à reconstruire la nation désarticulée et détruite. Chers compatriotes, Congolaises, Congolais, dans l'impasse nous sommes, et au-devant les périls nous guettent. Mais l'histoire appartient au peuple courageux qu'habite l'amour sacré de la patrie. Il est temps que notre pays prenne date, avec son destin, que l'espoir naisse en notre jeunesse. Chers compatriotes, le général Denis Sassou Nguesso a décrété 2024 année de la jeunesse. Mais comment peut-il le faire avec une grande légèreté, alors qu'il est aux affaires depuis plus de 42 ans, cumulé, et qu'il n'a jamais rien fait pour cette jeunesse? Nous savons bien que tout ce qui se fait pour la jeunesse, dans son dos, sans cette jeunesse, est contre la jeunesse. De quoi souffre-t-elle? Parlons-en des faits. Le Congo est un pays très jeune. Or, tous les enfants ne vont pas à l'école. Le taux d'alphabétisation est aux alentours de 80% des jeunes de 15 ans et plus, alors qu'il est de 93,3% en Érythrée et de 76% pour la catégorie adulte. Le taux d'accès à l'éducation reste, en outre, faible, puisque le taux net de scolarisation primaire est de 51% et le taux brut de 64% pour 23% dans le secondaire. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, au Congo, 25% de la population qui est âgée de 15 à 29 ans est sans emploi. En réalité, il est de 42%. Aussi, le niveau de chômage élevé des jeunes est le résultat de plusieurs facteurs. Les jeunes, ni formés, ni qualifiés, ni instruits. Les jeunes formés, même qualifiés, les jeunes qualifiés formés dans le secteur informel sans emploi,
les jeunes diplômés sans emploi. La formation professionnelle des jeunes quasi inexistante. L'absence de capacité des structures institutionnelles à insérer les jeunes. Le Congo souffre d'une vraie perte progressive en ressources humaines qualifiées et d'un vieillissement régulier de sa main-d'œuvre. Classe politique vieillissante, fonctionnaires à la retraite non remplacés, tout ceci empêchant les jeunes de rentrer en activité. Ce n'est pas la première fois que le général Denis Sassou Nguesso fasse des promesses non tenues à l'endroit de sa jeunesse flouée. Comment peut-on mépriser à ce point la jeunesse? Congolaise, Congolais, notre jeunesse est victime du tribalisme. La seule jeunesse qui a la chance d'être embauchée reste celle de son clan et surtout de ses enfants et ses petits-enfants. Quelle injustice qu'il faudra rétablir un jour. Non, la jeunesse congolaise est désormais mature. Elle est engagée, car le pouvoir de Brazzaville, en l'amadouant, avait cru le bâillonner. Son engagement est finalement le privilège qu'elle peut penser changer le Congo demain et peut-être un jour le monde. Il faut croire qu'il est possible d'avoir un destin plus grand que soi. C'est le rêve de la jeunesse d'imaginer que la génération qui arrive va décider de tout. L'engagement doit donc être au cœur de ce qu'une société peut offrir à une génération. Jeunes du Congo, c'est vous qui allez porter votre avenir. C'est vous qui allez donner la chance à ce pays d'avancer. C'est encore vous qui avez les réponses à tous les maux qui détruisent le Congo. Soyez prêts. La jeunesse est l'espoir des lendemains. Elle représente une ivresse continuelle. C'est la fièvre de la santé. C'est la folie de la raison. Disait Taoufik Hicham Mabou. La jeunesse est un trésor inestimable. Mais c'est en la mettant à l'épreuve que nous pouvons en extraire toute sa saveur. Vous êtes la jeunesse du Congo. Vous avez 19 ans et plus. Prenez votre destin en main. Fuyez les pesanteurs de la vie qui vous sont imposées. Que l'ambition qui doit habiter chacun d'entre nous renaisse des cendres encore fumantes du régime qui n'aura que trop duré. Aux endeuillés d'Ornano, aux habitants de la Likwala, de la Cuvette Ouest, du Poule, dont les conditions de vie interpellent au plus haut niveau chacun des Congolais. Aux compatriotes qui voient leurs habitations inondées, englouties par les eaux ou enfouies par des glissements de terrain, quoique naturels pour certains. Nous osons croire qu'un gouvernement regardant, prévoyant et compétent aurait pu faire, sinon éviter ces tragédies. Ce à qui le chômage endémique du pays a brisé les ambitions,
à ceux frappés par les deuils, la précarité, la maladie, mais aussi à ceux qui tirent leur épingle du jeu social et qui espèrent un sort moins injuste pour leurs frères. Nous vous disons, vous êtes le Congo et ce pays se remettra en marche par vous et avec vous, les uns avec les autres, les uns aux côtés des autres, parce qu'ensemble, nous serons toujours plus forts. L'ambition qui est nôtre est de rétablir les équilibres cassés, permettre un aménagement harmonieux du territoire qui renforcera nos liens, travailler sur l'érection des politiques publiques qui assurent la péréquation dans le développement intégral de notre pays et qui garantira chacun de nous, de nos enfants, le même traitement et les mêmes chances. Le MPA condamnera toujours l'agression des bouts de notre territoire au seul motif qu'ils auraient bénéficié quelques avantages par rapport à d'autres. Bien au contraire, il criminalisera toujours la volonté politique de ce pouvoir, en fin de règne, qui n'a eu de cesse de renforcer des pratiques discriminatoires, divisées pour mieux régner, consistant de façon systématique à privilégier les uns au détriment des autres, à construire un coin en oubliant le reste du pays. Il nous faut aller vers un modèle égalitaire où chacun et chaque citoyen de ce pays se sentira suffisamment légitime pour revendiquer ce qui est fait pour les uns, le soi pour tous. Robespierre disait, quand le gouvernement viole les droits du peuple tout le temps, la désobéissance, la révolte ou l'insurrection est pour le peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. Heureuse année à vous. Vive la République. Vive le peuple congolais. Vive l'alternance démocratique. Je vous remercie.